Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 0, donc pour le chapitre 2. Donc du coup je vous rappelle que la dernière fois forcément on a commencé l'intrigue, on a vu du coup ça se passait en fin 88, décembre 88, et on se retrouve avec Kiryu Kazuma en personnage jouable, accompagné pour l'instant de Akira Nishikiyama, son Kyodai, hein, son frère de serment avec qui il a grandi à l'orphelinat des Tournesols. Et donc du coup, après avoir fait un petit travail de collecte où fallait tabasser un mec dans une ruelle pour récupérer son argent parce que monsieur apparemment avait des dettes, du coup on l'a fait. On a donné ça à un usurier qui du coup nous a remercié, tout ça, tout le blabla. Il veut qu'on bosse avec lui, sauf que bah nous forcément on dit bah non, on est Yakuza, on est déjà engagé quoi, on va pas bosser particulièrement avec un usurier quoi, forcément. Après ça, du coup, la journée de travail s'est achevée et on s'est retrouvé avec Nishikiyama qui nous avait donné rendez-vous pour passer la soirée ensemble. Donc on a été dans un petit snack faire un peu de chansonnette avec le karaoké, puis on a bu un coup. Et maintenant, monsieur a faim. Donc comme vous le voyez en bas, il y a toujours des petits résumés comme ça durant le jeu, donc c'est plutôt cool. Qui est du coup des ramen pour la nuit, hein. Je n'ai même pas faim, je crois que je vais lui faire plaisir. Prochain arrêt, Tengo Kuken. Donc qui est l'enseigne en fait tout simplement du ramen. Donc c'est parti, on va le suivre comme d'habitude avec R2 et suivre les petites conversations. Ce qui n'existait pas dans les anciens Yakuza, ça pour lui. Un petit ajout sympathique. お前いい声してるよな。曲の調子は渋いけど悪かったな。流行りの曲はよく知らねえんだ。なら少しは勉強しろって。流行りに遅れた男はモテないからな。そうか。つっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ。下がぶりして何とかやり過ごしてるよ。それ周りにバレてんじゃねえのか。かもな。 やっぱアイドルっつったら女だ。最近はマジで可愛い子が多いぞ。おお、そうなんだ。ああ、帰ったらチェックしてみろよ。案外ハマって俺より詳しくなるかもな。<笑>さあ、そのうち俺ら二人、8匹でコンサート。<笑>若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件と見て付近を捜査中です。ただいま続報が入りました。 若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、今後関係者から事情を聞く方針です。おい、キリュウ。ん？カムロ町で殺したと？よくある話だろうが。 いや、お前、昨夜の取り立て、相手のこと結構痛めつけたって言ってたよな。こちらが栗原さんの死体が発見された現場です。ここって？は？俺が取り立てした場所だ。おいおい、お前、マジか。いや、死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだ。 この場所はカムロ町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にあります。ビルとビルに囲まれて人目につきにくい、かなり歪な空間という印象を受けますが、栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことです。こいつ、やめてくれ。俺が取り立てたやつだ。 本当に間違いねえのか。はあ。何やってんだよ。
り立てで相手殺しちまうなんてよ。誰からだ？組か？ああ、早速呼び出した。事務所に電話してくる。やっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよな。お前まずいことになったな。いや、お前ももちろんやべえけど、これで風間のおやっさんの立場も危うくなる。何？この不始末につけ込まれちまうってことだ。どういう意味だ？お前や俺がおやっさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってる。だからよ、俺らの不始末はおやっさんの責任にもなっちまう。だが俺がやっちまったことだ。おやっさんは関係ねえ。そうはいかねえよ。殺しとなるとことがでかい。多分おやっさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、おやさんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。おやさんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり敵が作られたろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。でそれが誰かって、いや3人の若頭補佐の1人、クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴がおやさんを札に売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件でおやさんがムショに行ってからクゼはえらい勢いついてる。火のないとこになんとやらだ。何しろ今は組に連絡するしかねえだろう。そうか、そうだな。分かった、俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる。すまねえ。J'ai eu un appel du QG de la famille Dojima. Il doit y avoir une cabine téléphonique dans le coin. Trouver un téléphone. Donc là, on vient d'assister à une cinématique, enfin plusieurs cinématiques et des discussions qui mettent vraiment en place le début du scénario. On savait que Kazama-san était en prison, mais on savait pas pourquoi. Du coup, là, on l'a su dans la cinématique. Apparemment, 6 mois auparavant, il serait fait piéger. Où les flics auraient fait une descente dans l'un de ces casinos clandestins. Ce qui fait qu'il s'est fait cueillir. Et apparemment, il était assez précautionné, parce que Kazama-san, c'est quand même quelqu'un de très intelligent dans la série, hein, de ce qu'on avait vu dans Yakuza 1 et 2, notamment. Et c'est surprenant qu'il se soit fait gauler comme ça. Et en fait, il changeait toujours de spot pour éviter que les flics lui tombent dessus. Sauf que, comme par hasard, les flics ont fait une descente pile à l'endroit... Le jour où il a changé de spot, dans un nouvel endroit, comme par hasard, les flics tombent dessus. Donc il y a clairement une taupe. Et apparemment, les rumeurs voudraient que ça soit un certain Kuze. Donc qui est l'un des trois lieutenants, en fait, de Soei Dojima, donc le chef de la famille Dojima. Donc ça va surtout, de toute façon, tout le jeu va surtout se situer au niveau de l'échelle de la famille Dojima. C'est-à-dire que par rapport aux autres jeux, où c'est généralement plus le clan Tojo, voire même pas ce qui est au-dessus, mais on va dire plus au niveau global, parce que des fois il y a l'alliance Omi, tout ça, etc. Là, ça va surtout, l'intrigue de Yakuza 0 va surtout se concentrer au niveau de l'échelle de la famille Dojima, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura d'autres éléments perturbateurs, bien sûr, mais c'est surtout là-dessus que ça va jouer, en fait. Donc voilà. Et puis, donc ça, c'est une chose, et surtout, aux infos, on nous révèle que la personne qu'on a tabassée est morte, a été retrouvée morte, donc forcément... nous c'est pas ce qu'on voulait, donc c'est un peu la merde. Et puis on reçoit un petit message du QG pour qu'on les rappelle, donc ça risque de nous causer des torts, hein, puisque Nishikiyama l'a expliqué aussi. Du coup les lieutenants veulent la place de Kazama-san, qui est le capitaine en fait
de la famille d'Ojima. Donc là, on se rend compte qu'il y a pas mal de tensions. Il y en a qui veulent profiter de tout ça pour essayer de prendre le contrôle de... Enfin, le siège, pardon, de capitaine. Puisque pour l'instant, il est vacant, vu que Kazama est en prison. Même s'il va pas tarder à en sortir, bah ça peut foutre la merde, quoi. Donc là, les enjeux commencent à se placer, et forcément, Kazuma, lui, bah, ne veut pas que ça retombe sur Kazama-san, puisque après tout, c'est pas de sa faute, il est en prison. Mais les autres, ils vont trouver les excuses, puisqu'ils vont dire, bah voilà, Kazama a embrigadé Kazuma et Nishikiyama dans la famille, donc forcément... Ça va lui retomber dessus. À chaque fois, c'est une question de responsabilité, de qui est responsable de telle personne, machin. Enfin, c'est toujours comme ça au niveau hiérarchique et les Yakuza, donc ça risque de foutre la merde. Donc on va appeler pour voir. Il vaudrait mieux appeler le bureau de la famille. そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい。久世の兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願います。実は若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。そうか、分かった。 Donc vous l'aurez compris, ça commence à chauffer, parce que là c'est QG qui nous appelle, on se rend compte que c'est le fameux lieutenant Kuze qui nous a demandé de venir, et en plus les autres lieutenants sont là aussi. Pour s'occuper d'un trou de fion comme nous, c'est qu'il y a clairement un problème, ils sont peut-être du coup au courant du fameux meurtre à la télé. Donc on va se faire secouer les puces, mais on va quand même y aller, puisqu'on n'a pas le choix de toute façon. Donc bon, je ferais mieux de prendre un taxi pour aller au quartier général de la famille d'Ojima. Donc juste avant... Je sais pas si on va pouvoir re-sauvegarder, ça serait bien. Voilà, comme ça au cas où s'il y a un souci. Parce que du coup j'ai pas sauvegardé entre les deux épisodes, vu qu'on s'était arrêté un peu au moment fatidique. Voilà. Comme ça on est tranquille. Du coup, bah go, on va y aller, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Et on va en profiter pour aller au magasin entre deux, parce que normalement il y a un magasin juste avant d'aller choper le taxi. Ce qui nous arrangera pour la suite en fait. C'est pour une quête principale pour le coup. J'allais dire secondaire, mais elle a l'air d'une quête secondaire, mais elle est principale. Et pour nous faire gagner du temps. Alors le magasin il est là-bas je crois. Pour nous faire gagner du temps, je vais acheter ce qu'il faut maintenant. Ça évitera de chercher. Bah, comme par hasard c'est... What? On peut pas rentrer? Ou c'est un autre magasin là, je pense pas. Attends, y a un problème. Attends, what, on n'a pas joué au même jeu ou c'est comment? Attendez. Ah, normalement c'est là. Ou ils veulent pas qu'on y aille. C'est bizarre, il me semblait que je l'avais fait de mon côté. Ou c'est peut-être en revenant. Bon, je revérifie, sinon tant pis, on le fera en revenant. Ok, bon bah ça veut pas. C'est pas grave, c'est juste pour gagner du temps, mais de toute façon, en revenant, je pourrais quand même l'acheter. Donc, si c'était pas maintenant, c'était en revenant. Donc, on va y aller comme ça, tant pis. Donc, le tarif du taxi commence à 470 yens, donc ça va, on est plutôt large, on a 350 000, donc ça devrait le faire. Donc, j'ai besoin d'aller au QG de la famille d'Ojima, quartier général de la famille d'Ojima. C'est parti, emmenez-moi au QG. Très bien, monsieur.
ああ、ずいぶん待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな、ああ、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由、わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。ねえクゼの兄貴。お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し？東国クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職が下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺は自宅出すんじゃねえ。安心しろ、仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれで女将と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいギリュ、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示って、なんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答え。なんであの場所を選んだ。頭の指示やねえのか。え、それにチャカはどこで手に入れた。それも頭から渡されたのか。チャカ、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでしらを切るつもりってか。見つかった死体は痛みつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒揚げしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。ああキリュウ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ
うちの組があの殺しに関係していたっつうのは事実。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で堅気の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。なあ、それがおやっさんとどんな関係が？あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたって感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです？さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ敵をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと円弧詰めとけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。Et voilà, donc après cette cinématique où on a fait la présentation des trois lieutenants de Soe Dojima, donc le premier avec qui on a le plus parlé c'était Kuze,
En violet, on avait Awano et en costard noir, je crois, à Ryu, il me semble, c'était Shibusawa. Et donc, du coup, les trois lieutenants nous ont expliqué le problème tel qu'il est. Donc, il y a un mort, sauf que malheureusement, ce mort est mort au mauvais endroit, littéralement. Parce qu'apparemment, voilà, c'est un terrain qui veulent récupérer, et malheureusement, le mec est mort, du coup, c'est devenu une scène de crime, et ça fout grave la merde, et c'est pour ça, en fait, qu'ils pensaient que Kazamasa, en fait, nous avait demandé, littéralement, d'aller tuer un mec là-bas pour que ça foute la merde, et ça l'empêche de quitter son siège de force, puisque là, de ce qu'on a compris, en fait, Dojima a décidé d'offrir en récompense à celui qui chope ce fameux terrain, la place de capitaine, alors que Kazamasan est censé être le capitaine. Mais vu qu'il est en prison, bah, de toute façon, il peut rien faire de son côté en prison. Et puis Tazuma, lui, il se dit, merde, enfin, Kazamasan, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce que surtout qu'en général, les Yakuza, quand on te dégage comme ça, c'est pas par la grande porte, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis aussi, le fait aussi que Kazuma, parce que du coup, bah, je me trompe entre les deux, quand même, Kazuma soit accusé du meurtre, il a pas trop envie d'aller en prison non plus pour quelque chose qu'il a pas commis. Qui plus est que là, en plus, on est sûr que c'est pas Kazuma, parce que pour le coup, au début, on se disait il l'a battu à mort, peut-être que du coup, il est mort de ses blessures, le mec, mais au final, non. Puisque de ce qu'on a compris, Shibusawa, c'est lui qui l'a dit, le mec s'est retrouvé avec une balle. Et Kazuma n'a pas d'arme, donc ça va être difficile de croire que c'est Kazuma alors qu'il n'a pas d'arme à feu et que le mec s'est fait buter comme ça, quoi. Donc voilà, il semblerait que cet usurier m'ait piégé. Donc on va devoir causer. Je ne sais pas à quoi il joue, mais on va avoir une discussion, lui et moi. Hey boy! Le retour du vieux papy. Oh, vous êtes le vieux de la nuit dernière. Yes. J'ai cherché pendant des heures. Après qui? Moi? Vous puez l'alcool. Vous êtes ravagé. Cette ville entière est un gros bar. Elle a été faite pour boire. Moi et Kamoji-kun, ici présent, on y a passé la nuit entière. Ouais, bon. Heureux que certains passent une bonne matinée. Tu m'étonnes. Oh, t'as une tête à faire peur à un cadavre, boy. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux rien te promettre, mais je serai heureux de t'écouter. C'est... Beaucoup de choses me sont tombées dessus ces derniers temps. Bon, d'accord. Soit, j'ai une faveur à te demander. Ouais. Vous disiez que vous me cherchiez. En fait, attendez. Désolé, mais j'ai vraiment pas le temps pour le moment. Je vous verrai plus tard. Merci, j'ai juste besoin que tu parles à deux gars. Ils seront là bientôt. Ils seront assez énervés. Vous n'écoutez même pas. Pourquoi je devrais m'occuper de vos problèmes? C'est une excellente question. Demande-leur. Ils sont vraiment impatients de parler avec toi également. Oh, hey. Quand on parle du loup, ils sont là. Alors, grand-père, c'est lui le gamin? Yes, mon élève. Pardon, élève? Le prêt d'un million yens que j'ai accordé à ces deux cadavres est arrivé à échéance. J'ai besoin de le récupérer maintenant. Pourquoi tu me parles de ça? Attends, tu ne crois pas que je vais payer pour eux, hein? L'astuce que je t'ai donnée l'autre jour vaut bien ça, non? En plus, la dette du maître est la dette de... Tu sais, toi? Mon cul, ouais. Et depuis quand vous êtes mon maître, hein? Je m'en cogne de quitter, donne-moi mon fric, avant que le gentleman baraqué derrière moi s'impatiente. Bruno, il part au quart de tour, surtout avec les mecs obstinés. À ta place, je paierai avant d'être blessé. Hey, boy. Tu penses pouvoir affronter Bruno le costaud en combat? Je ne peux pas le dire avec certitude, mais peu importe, parce que vous n'allez pas m'embarquer dans vos problèmes. Oh, donc tu penses qu'il te battrait? J'ai pas dit ça. Eh, si vous essayez de me piquer au vif, ça ne marchera pas. C'est votre dette, vous la réglez. Quelle déception.
Tu ne peux pas être effrayé par un gorille comme lui. C'est un banal tas de muscles sans cervelle. Il y en a des millions comme lui. C'est le fond du panier. Le fond du panier? Mais de quoi vous parlez? Hé, hey, c'est quoi ces chuchotements, les gars? Tu vas payer ou tu veux une boucherie? Je te l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec moi. Yes, bon, je vais te payer. Sage décision. Je suis navré, vraiment navré, pour tout le mal que j'ai causé. Je vais vous dire, pourquoi pas partir sur 2 millions? Tu veux me payer le double? Comme si j'allais gober ça. T'es saoul comme un porc, vieux. Oh, j'ai l'argent. Je serais heureux de vous le donner, mais à une condition. Ah ouais? Laquelle? Votre tank, là, il va nous combattre pour l'obtenir. Il nous bat, nous trois, les 2 millions sont à vous. On gagne et on ne vous doit plus rien. Putain, t'es pas torché, t'es cinglé. Bruno est connu dans le coin pour casser des gueules. Vous pouvez le prendre à trois en même temps, il vous dégommera comme des quilles. Non, ce sera du 1 contre 1, réglez tout. 3 contre 1 serait déloyal. Ah. Tu veux le prendre en solo? Bien, le timbré. Si ça vous dérange pas que je prenne l'argent sur vos cadavres, je suis partant. Affaire conclue. C'est bien aimable. Je vous dis tout de suite, je ne vous aiderai pas. Si vous ne voulez pas être blessé, je commencerai par m'excuser si j'étais vous. Bon, j'y vais en premier. Hé, hey, vous m'écoutez au moins? Vous êtes sûr de vouloir vous lancer là-dedans? Il ira bien, simple échauffement. Toi, occupe-toi de garder un œil sur l'action, boy. Regarde les mouvements de Kamoji. Sérieusement? Le combat commence. F, piou, je suis fatigué. Je dois me rappeler de manger avant de faire ce truc. Kamoji, c'est ça? C'était quoi ces mouvements? En fait, oubliez. Est-ce que ça va? Vous ne devriez pas y aller à fond comme ça. Ah ah, il va bien. Je te l'avais dit, non? Le costaud ne l'a même pas touché. Et toi, là, avec le manteau? Le clochard? Bruno n'a pas une égratignure. Tu veux essayer de finir le boulot avec tes coups de pointe faibles? Ah, non. Kamoji-kun, tu restes sur le côté. En tant que manager, j'organise le round suivant. Laissons le gamin prendre ce tour. Tu sais quoi faire, pas vrai, boy? Ouais, d'accord. Je le pensais vraiment quand je disais que je ne voulais pas m'embarquer dans votre histoire, mais regardez, ça m'a mis dans l'ambiance. Dans ce cas, alors, c'est parti pour le round 2. Des meurtres à 2 millions d'yens. Bruno, démonte-le. Allez, c'est parti. Du coup, là, on découvre qu'on a débloqué un nouveau style de combat qui s'appelle le style Rush. Donc, vous avez vu avec la petite mise en scène, genre, il découvre comment ça se passe. En fait, ça reprend un petit peu l'esthétique des révélations qu'on avait depuis Yakuza 3, je crois. Hein. À chaque fois, si vous vous rappelez, il y avait toujours des petites scènes loufoques comme ça. Et quand on écrivait un rappeur ou un journal, machin, on avait... Enfin, un blog, plutôt, je crois. On débloquait des coups. Et donc là c'est un peu pareil, mais il n'y a pas besoin de faire des QTE ou quoi que ce soit, ça se fait tout seul pour l'occasion. Donc voilà, on switch de mode, donc là du coup c'est marqué en haut à gauche, le mode rush. Et ce mode rush, en fait, il a la particularité d'être très rapide. Donc du coup on peut s'amuser à esquiver, voilà, très rapidement. Et les coups sont aussi très rapides. Mais en échange du coup, qui dit rapidité, dit force amoindrie. Logique, sinon ça sera un peu cheaté quoi. Je vais vous montrer ça. Voilà, les kicks... Enfin, les coups de poing s'enchaînent plus vite, mais forcément... Ça fait moins de dégâts. Donc il y aura vraiment trois styles de combat comme ça... spécifiques. Donc un équilibré, on va dire, c'est le mode brawler, hein, celui qu'on avait de base.
et après un mode très rapide comme celui-ci, le mode rush. Et après plus tard on va apprendre le troisième mode, enfin troisième style de combat qui est un mode de gros bourrin mais qui du coup est forcément plus lent. Donc on va pouvoir switcher comme ça entre ces trois modes durant les combats par la suite du jeu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bruno ne l'a presque pas touché. Mais t'es qui, putain? Je suis Kiryu, famille d'Ojima. Et vous, les gars, vous êtes avec quelle famille? Ouah, wow, attends, t'es un vrai Yakuza? Désolé, monsieur. Je savais pas. On travaille juste pour Toko Crédit. Ça, pour une coïncidence, j'ai une affaire avec votre patron. Je dois le rencontrer le plus tôt possible, vous savez où il est? Le président? Il doit être au bureau à l'heure qu'il est. Je vois. C'est un immeuble sur Taï Boulevard East, c'est ça? Je vais lui rendre visite, alors. Et ça règle notre petite dette, non? Ouais, bien sûr. Un marché est un marché. Bruno couvrira la différence. C'est comme ça que notre collecte fonctionne. Haha. Phew. Quel dur monde, je te le dis. Bon, je ferais mieux de me barrer. Viens, Bruno. Relève-toi. Et dites-moi un truc. Oh? Vous êtes qui? Pourquoi m'approcher? Vous cherchez quoi au juste? Moi? Oui, bon, les gens du coin m'appellent Bacchus. Et je suis venu vers toi parce que j'ai un voyou assez furieux aux fesses. Ouais, c'est gentil de votre part de le rediriger vers moi. Écoutez, si vous avez des ennuis, dites-le moi. Peut-être que je peux aider. Et ça vaut pour lui aussi, c'était pas des mouvements d'amateur. C'est quoi son truc? Une vraie bonne affaire, voilà ce que c'est. Il a un boulot plus doux que le miel, vraiment fascinant à voir. Tu devrais y faire un saut, boy. Au boulot de Kamoji? Mais c'est un sans-abri, non? Quel genre de job il fait? Il est... comment dire... un artiste fister. Wow, c'est pas vraiment mon genre. C'est pas ça, c'est un artiste frappeur. Ouais, voilà. Un artiste frappeur. Hé, hey, ma langue a fourché. Ah bon? Et c'est quoi un artiste frappeur? Le client paie les frais, puis il peut me donner autant de coups de poing qu'il le souhaite. Je ne suis pas sûr de vous suivre, c'est un nouveau délire SM? Non, rien de tout ça. Bien, je t'ai un œil, si tu as des questions. Je travaille sur le parking de Shichifuku. Kamoji-kun a beaucoup à t'apprendre en termes de combat, boy. Tu le regretterais si tu n'allais pas le voir. Bon, ça marche. Le parking de Shichifuku, hein. J'y ferai un saut si j'ai le temps. C'est Kiryu-san de la famille d'Ojima, c'est bien ça? Je t'attendrai. A plus. Eh bien, ça règle mes ennuis pour aujourd'hui. Je suppose que je ne peux toujours pas te convaincre d'affronter le monde. Le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous essayez encore de me recruter pour vos combats pro ou je ne sais pas quoi? C'est exactement ça. T'as le potentiel que beaucoup d'hommes rêvent d'avoir. Le titre de champion du monde pourrait être à toi. Désolé, je ne fais pas partie de ces gosses à qui on vend du rêve avec ce genre de phrase. Si vous cherchez quelqu'un, cherchez encore. Je vais te dire une chose, boy. Si tu continues à vivre de combat de rue en combat de rue, tu finiras avec un couteau entre les côtes dans un coin sombre. C'est pas une façon de s'en sortir. Tu appartiens à la lumière, les projecteurs. Et je peux te mettre sous les plus brillants. Qu'est-ce que t'en dis, toi et moi contre le monde? Ouais, bon. On vient de se rencontrer. Tu ne vas pas changer ta vie parce qu'un vieux type t'a demandé de le faire. Je comprends. J'abandonne. Pour le moment. Mais ça ne veut pas dire que j'abandonne pour de bon. T'as l'espace pour pousser comme un arbre, je continuerai à te coacher en cours de route. Vous avez des qualités d'entraîneur, je le crois vraiment. Mais je ne suis pas en mesure de me soucier de quelqu'un d'autre que moi en ce moment. Désolé. Mais peut-être qu'on se reverra. D'accord, boy. Mais tu restes à l'écart des ruelles sombres jusque-là, t'entends? Pas de couteau dans ses côtes. Ou de balle. Ni autre chose, d'ailleurs. Vous essayez de me porter la poisse? À la prochaine, Bacchus.
Apparemment, le président de Toko Crédit est dans son bureau sur Taille Boulevard East. Je vais commencer par là. Alors, vous voyez qu'au niveau de la trad, là, il y a toujours un petit espace entre la ponctuation et les écritures en rouge. Parce qu'en fait, les écritures en rouge sont dans une espèce de balise sur le logiciel de traduction. Et le problème, c'est que faut mettre le point dedans. Sauf que moi, en fait, au moment où j'avais commencé la trad, je savais pas. Du coup, je mettais le point à part, parce qu'en fait, le point, il a pas être en rouge. En fait, c'est le terme qui nous intéresse, qui doit être en rouge, donc la localisation. Mais le point, c'est une ponctuation, quoi. Donc moi, je l'avais mis à part, normal. Mais du coup, j'ai pas corrigé ça, donc ça fait un petit espace. C'est un peu relou, ce truc-là. C'est dû au fait qu'il y ait une balise, en fait, ça crée un espace tout seul. Mais bon, voilà. Donc du coup, là, on a re-rencontré le vieux qui s'appelle Bacchus, donc ça sera l'un de nos maîtres, en fait, hein, qui va nous apprendre des nouveaux coups, etc. Et on a aussi rencontré Kamoji-kun, qui lui aussi sera un autre maître, qui nous apprendra des choses, mais lui, pour le coup, pour le mode rush, donc le mode de combat très rapide. Alors que Bacchus, lui, ça sera pour le mode brawler, grosso modo. Donc voilà, donc ça, techniquement, c'est de la quête secondaire, donc qui sera pas traduite par la suite. Donc j'essaierai de traduire à la volée si nécessaire. Après, globalement, c'est de l'entraînement. Donc l'histoire de ces personnages-là, c'est pas non plus ouf. Mais c'était pour l'occasion. En fait, tout ce qui est même truc secondaire, mais qui est imposé dans le jeu, comme là, c'était le cas, hein, tu sors du taxi, on t'impose la discussion avec Bacchus, bah du coup, je l'ai traduite. Mais sinon, les suites ne sont pas forcément traduites. Donc voilà, donc du coup apparemment le président de Toko Crédit serait dans son bureau, donc ça serait parfait pour pouvoir bah, lui causer de la situation, parce que là on s'est clairement fait fister, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est ce qu'on va sûrement faire dans la vidéo suivante, sauf que là vu le temps qui reste ça va être compliqué. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va aller au fameux magasin que je vous avais dit que je devais faire avant d'aller au QG normalement. À la base, mais ça n'a pas été possible puisqu'il faut que j'aille acheter un certain truc pour plus tard, en fait, juste pour gagner du temps par la suite pour une quête un peu longue pour rien qui est un peu chiante. Attends, il est où le magasin? Merde, je l'ai passé comme un con. Et du coup je préfère faire ça maintenant et comme ça par la suite on pourra enchaîner plus rapidement, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez reconnu aussi l'OST là quand on était dehors dans la rue. C'est la même que dans Yakuza 1 et 2 du coup, hein, quand on est en mode progression libre. C'est une musique que j'aime bien, elle est toute simple en soi, mais elle a une certaine ambiance. On sent un côté un peu pesant et tout, mais qui est assez cool. Donc du coup, bah, ils l'ont remis dans Yakuza 0, donc tant mieux, c'est sympa. Donc du coup, je vais acheter... Alors je sais plus c'est quoi exactement, parce que là il y a le whisky, il y a le scotch whisky, je crois que c'est ça. Mais pour être sûr, j'ai quand même chopé d'autres trucs. Parce qu'au pire, dans le pire des cas, ça fera de la boisson que je peux boire moi-même. Dans le pire des cas, hein, donc ça va. Et puis je vais acheter aussi, bah on va profiter hein, pour faire un peu le plein dans notre inventaire, des sushis sets. Puisque rappelez-vous, les sushis sets, l'avantage c'est que ils donnent pas mal de points de vie. Donc voilà, c'est un petit peu le soin du pauvre. Parce que après on peut acheter des staminas, hein, comme par le passé, les X, les XX, etc. etc. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Bon certes ça donne aussi de la fièvre. Ou t'as aussi les Toothness qui eux donnent que de la vie. Mais ça coûte quand même assez cher, alors que les sets de sushis, ça va, c'est assez abordable et ça soigne pas mal. Donc voilà, donc du coup, on va continuer un petit peu. Ah bah tiens, baston. On va pouvoir expérimenter notre nouveau style de combat face à des délinquants. Alors les traductions pour tout ce qui est racaille, ça a été un délire aussi. Hein, parce que souvent, rappelez-vous, c'était, par exemple, je sais pas, moi, il y avait street quelque chose. Donc quand c'est comme ça, tu dis, bon, bah, bandit de rue, quoi, tu vois, ça passe. Délinquant, il y avait déjà ça en anglais, sauf que c'était écrit en anglais, bien sûr. Mais c'était le terme délinquant aussi en anglais. Donc ça n'a pas changé. Mais après, bon, tout ce qui est hooligan, pareil, c'est un terme qu'on utilise aussi en français, donc je l'ai gardé. Et puis pour le reste, bon, bah, c'est racaille, ce genre de truc. J'ai traduit un peu au feeling, voilà. Donc vous voyez que les combats, sinon, ils s'enchaînent très bien.
Le jeu est fluide de ce côté-là. Alors vu que je suis sur PC, moi le jeu ne tourne pas à 60 images constantes. Parce qu'en fait, faut savoir que du coup, sur PS3, quand il est sorti au Japon, il tourne à 30 images secondes comme les anciens Yakuza. Mais vu que c'est un jeu cross-gen sur PS4, il est en 60 FPS. Constant ou quasi constant, j'ai pas vérifié non plus dans le détail, mais c'est censé être un jeu qui tourne à 60 FPS. Donc du coup, il est très fluide, et c'est très cool pour les combats. Mais du coup, là, vu que je suis sur PC, et que mon PC, bon, il crache un peu ses poumons, j'avais fait des tests l'autre fois, j'avais regardé avec l'affichage des images par seconde, j'étais aux alentours de 40 à 50 images secondes, quoi. Mais c'est plus proche du 40 que du 50. Donc c'est toujours mieux que 30, mais c'est pas la fluidité incarnée, le jeu, hein, clairement. Et c'est déjà pas mal, on va dire. Donc voilà, donc je vais m'arrêter ici, en tout cas pour cette vidéo. Pour le président de Toko Crédit, on ira le voir dans l'épisode suivant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !